Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'OpenSUSE 13.2 bêta 1. Dans le but d'être aussi complet que possible, j'ai pris les deux environnements principaux de la version dite 64 bits, et j'ai bien dit dite, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc là je vous prouve déjà que c'est bien les versions 64 bits qui sont utilisées pour les deux ISO. Donc on va commencer par l'environnement principal de la distribution Caméléon, j'ai nommé KDE-SC. Donc on passe en plein écran. Donc je crois que le nom de code de la OpenSUSE 13.2 c'est Harlequin. Ouais. Il y a pire comme nom de code, mais il y a mieux aussi. Mais c'est pas ce que les utilisateurs regarderont. Donc normalement elle va tarder à se charger. Modulo les ralentissements liés à la machine virtuelle. Donc déjà il faut aimer le vert. Normalement, voilà, bon, ça déjà ça passe en plein écran, c'est un bon point. Donc, comme j'ai précisé dans l'article qui est dans le descriptif, c'est la version 4.13. La 4.14 étant prévue pour la version finale. Pour Gnome, c'est la 3.12. La 3.14 est prévue pour la version finale. Donc là, on se retrouve avec l'environnement classique KDE. Avec des icônes qui sont, ma foi, peu parlantes, au moins pour une. Question à 100 €, à quoi sert cette icône? Oui, vous avez deviné, c'est l'icône qui représente les périphériques amovibles. Moi je pensais que c'était une espèce de radar ou d'ouvre-boîte. Bref. Donc là, on a un cas de tout ce qui est le plus classique. Avec les outils classiques, bien sûr. Dans les applications, donc on va tourner rapidement. Donc je vous montre en gros à vitesse. Les applications disponibles. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique après tout. C'est un environnement KDE, tout ce qu'il y a de plus classique. Je reviendrai après sur Yast parce que là, lui, il commence à me les yaster, c'est qu'à le dire. Donc là, voilà. Donc, si on a des informations système. Alors, voilà. Donc là, on a tout ce qui est le plus classique. Un KDE 4.93, comme je vous disais. Un 4.14, la mise à jour est passée en 4.14. Autant pour moi. Donc là, apparemment, c'était modifié. Donc, je vais montrer ce qui me facilite un peu le transit, c'est-à-dire Yast. Parce que vous avez, je vais vous montrer l'ensemble des icônes. Voilà, vous avez l'ensemble des icônes classiques de KDE. Et si on lance Yast... Bonjour les doublons. Voilà. Donc on joue bien ensemble. Donc voilà. Alors on va s'amuser à compter le nombre de doublons. Bon, tout ce qui est logiciel, ils y sont pas. Donc c'est ça. Imprimante. Date et heure. Déjà, date et heure. Un doublon. Il y a d'avoir la localisation. Deux doublons. Donc déjà c'est ça. Ça n'a pas aidé au mélange des trucs. Le réseau. Le réseau, il est par là, le réseau que je retrouve. Voilà, configuration du réseau. Tout ce qui est réseau, donc déjà, ça ne va pas être conflictuel à part ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Ah, bien sûr, gestion des groupes utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Je le retrouve. Ah oui, gestion des paquets aussi. Donc déjà, boum, un conflit de plus. Donc ça qui est ennuyeux parce que on fait un truc avec Yast, boum, avec KDE on peut faire un autre truc. Bim, bam, bam, pourtant ça dans la tronche. Autant dire que c'est très bien pour éviter les conflits. Alors les comptes, je les avais vus quelque part par là. On va chercher, parce que par moment... Voilà, compte utilisateur et mot de passe. Voilà, détail du compte. En clair... Gestion des groupes utilisateurs. Gestion des groupes utilisateurs. Donc vous voyez, il y a très 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 peu de doublons. Voilà. Donc là, donc je vais passer par le par Apple. Tiens, on va rigoler un bon coup. Je vais vous montrer un truc. Parce que c'est soi-disant une version 64 bits. Soi-disant. Donc là, on va aller dans les logiciels installés.
et je vais faire 32 bits de répétition. Voilà tous les paquets installés qui sont du 32 bits. Non, c'est pas installé, autant pour moi. Filtre installé, seulement ce qui est installé. Voilà. Donc voici une petite liste des paquets 32 bits installés. Je n'ai pas compté, mais il y a un bon paquet. On me dit que c'est une 64 bits, ce que je vous prends. X86-64. Et voici la liste des paquets installés en 32 bits. C'est plus du 32, c'est du 42, c'est plus du 64, c'est du 48 bits, ça. Alors, là, qu'on m'explique pourquoi. Même l'explication simple, pourquoi. Donc là, je vais arrêter de m'énerver sur ce plan-là, parce que c'est un défaut constant de la OpenSUSE. On va voir ce qu'il propose comme logiciel. Donc, c'est la version 4.3.1, je pense. C'est la 4.3.1, donc c'est quand même une version assez récente de LibreOffice. Côté Firefox, si mes souvenirs sont bons, on a une version dite ESR, Enterprise Software Release, comme ça, ouais. La version long terme, support long terme de Firefox. C'est la version dite ESR, la 31.1.0, alors que la 31.1, la dernière. Ça, il faut un petit délai d'impactage. Donc voilà, moi c'est ce qui m'énerve vraiment, c'est que c'est gavé de logiciels en 32 bits. Sans mentir, vous avez vu le nouveau paquet de 32 bits qu'il y avait ? Non, mais c'est incroyable. Non, c'est pas possible, moi je m'excuse. Est-ce que c'est une 32 ou 64 bits ? Donc par contre, il n'y a pas grand chose à rajouter sur la version. Bon, je vous montrerai quand même Yast un peu en action. Du moins dans la version. Donc on va voir sur le nombre de paquets. Il va peut-être nous donner la statistique. Comme ça, on va savoir combien à peu près il y a de paquets 32 bits sur 64 et faire un petit calcul rapide. Je sens que le calcul va s'approcher des 25%. Une impression, une idée. Mais on doit être pas loin de 25% au minimum. 15 à 20% de paquets 32 bits. Hein. On va comparer avec les distributions comme la Manjaro et compagnie, mais alors on veut chercher 32 bits. Je sais pas si c'est installé ou pas. Donc on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je reprends ma respiration. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 paquets déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 paquets. 1, 2, 3, 4. 83 paquets. En 32 bits. Alors là. Je ne sais pas combien, il y a quand même 83 paquets, à moins que j'ai perdu un peu le compte du compte, l'ensemble du compte, mais quand même 83 paquets en 32 bits installés sur un système dit 64 bits. Je ne sais pas comment on peut trouver la. C'est des paquets installés, mais là j'avoue quand même 83 paquets
Ça fait beaucoup. Donc peut-être une option de zip permet de savoir le nombre de paquets qui est installé, mais c'est énorme. 83 paquets, ils sont peut-être 1000 ou 1500 installés. Pour le moment, je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais quand même 83 paquets, c'est énorme. Donc là, je vais passer maintenant à la version KDE, GNOME. Et là, vous allez voir les dégâts de cette version dite 64 bits. Ça va être vraiment saignant. Donc là, on va relancer notre ami. Là, je suis sous GNOME 3.14, si vous vous posez la question. Je ferai une vidéo plus tard de GNOME 3.14. Donc là, on va démarrer la version GNOME. L'OpenSUSE 13.2, bêta 1. 83 paquets quand même, quand j'y pense. C'est quand même énorme. Dans le genre invasion de paquets, je m'amuserai à faire un article pour montrer à quel point l'OpenSUSE est l'une des pires distributions hybrides que je connaisse. Voilà, donc nous avons un GNOME 3.12, tout ce qui est le plus classique, 3.2, 12.2 même je dirais. Faut aimer le vert, comme je disais pour la dernière fois. Maintenant que ça se charge, s'il ne me plante pas la tronche, je serai content. Voilà, bon, il y a plus que tout. Oh, il y a pas mal de petits trucs en présentant à ce qu'ils font là. Donc, la détail, c'est 3.13.2, voilà. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer le nombre de paquets 64 à 32 bits. Mais je vais vous montrer juste la Logitech. Bon, c'est en gros la même que celle de KDE, mis à part le logiciel spécifique à Nomi. Mais voilà, je vais aller dans toutes les applications. Je suis déjà dans toutes les applications. Donc là, je vais m'amuser à voir combien de logiciels on peut trouver marqué 32 bits. Et voilà. Alors, je vais clairement vous le montrer parce que vous allez rigoler. Parce que je suis un grand utilisateur du terminal, donc je fais la recherche du terminal. Et voilà. Terminal Linux 32 bits. Je m'excuse, c'est 32 ou 64. Je vais voir quand même si Zipper a des statistiques. Parce que ça serait intéressant de savoir si il y a des stats. Blablabla. Un peu comme les OutStats qui existent. Service, package, search, pardon. Non, je sais pas, je peux pas dire s'il y a des statistiques quelque part, mais ça doit être quand même assez intéressant. Non, mais sinon l'ensemble est rapide, mais le problème c'est que c'est mais gavé, il n'y a pas autrement, mais gavé de paquets 32 bits. Non, mais là, je m'excuse, c'est vraiment le pompon quoi. Là, je ne sais pas, franchement, je n'ai pas envie de faire des recherches actuellement. Je vais juste vous montrer, bien sûr, c'est un environnement classique quoi, c'est vraiment Gnome 3.12. Avec les outils classiques, quoi. Il y a aussi des MicroFix, Continuous. Par contre, un truc pas mal, j'ai vu la présence, c'est que je ne me gourre pas, c'est GNUcache qui doit être présent dans l'ensemble. Voilà, il y a GNUcache pour les personnes qui veulent surveiller leur compte en banque. Je préfère le USB, mais chacun ses goûts. Hein. Donc il y a aussi l'i3, il y a tout ce qui est musique, donc là voilà. Par contre, c'est des outils, je me demande ce qu'ils font comme menu principal, en clair, un enseignement à la carte de GNOME 2.x. Voilà, donc là, c'est... bon, mais bien sûr, il y a toujours le bon vieux Yast, quoi, qui est toujours autant... aussi peu... aussi peu bouffe-place. Voilà. Snapper, je ne sais pas à quoi ça sert, ça doit être sûrement un outil de sauvegarde. Je vais voir ce qu'il me dit. Je ne dis pas Snapper, donc ça va être la grande
Souvent un outil déjà backup ou truc comme ça quoi. Si vous bien se lancer. Non mais je vous avoue quand même que là. Consécration instantanée, oui. C'est par rapport seulement au système de fichiers BTRFS. Voilà, donc tout ce qu'il y avait à dire, mis à part qu'il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la version dite 32-64 bits de cette distribution. Donc si vous n'en avez rien à faire, que ce soit un mélange infâme de 32-64 bits, c'est une distribution que vous pouvez envisager. Si vous êtes un peu plus puriste et vous dites, si on dit que c'est du bœuf et vous vous trouvez avec du canard, moi ça me dérange. Voilà, je vous laisse, à plus.